moi qui aime bien la BD comme ça, enfin c'est un univers de BD. C'est graphique quoi. Enfin, ouais, franchement. Ouais. Hop. Je vais le ramener rapidement. Je peux aller le toucher lui? Non, non, non. Je peux monter sur les cailloux? Si tu veux, tu peux. Mais je vais me casser la gueule. C'est pas ta main? Tu peux te retourner aussi, hein? Hein? Tu peux te retourner? Je peux me retourner. À la vache, c'est. Ah ouais, non, mais je sens l'arnaque là. Ah ouais. Il y a un truc qui arrive sur moi là. C'est quoi qui arrive sur vous? Je sais pas, une grosse bestiole. Ou un vaisseau, je sais pas bien. C'est très étonnant quand on enlève le casque. Parce ça fait bizarre. Ah ouais, ça fait très bizarre d'y aller, quoi. Bah en fait, t'es presque plus dans le monde virtuel qu'à l'extérieur. T'as un temps d'adaptation quand tu reviens. Oui, moi là, j'ai mis un temps d'adaptation. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut, je retrouve mon équilibre. T'as envie, tu sais pas si ça va t'arriver dessus, tu sais pas si t'es juste spectateur, parce que c'est magnifique. Enfin, ce grand vaisseau qui arrive là et tout. Quelque chose de complètement différent, en fait, une maison. Dans laquelle elle va pouvoir se déplacer, alors pas forcément en marchant mais en se téléportant avec des joysticks que je vais lui donner là. Ah mais je te vois là. Tu les vois? Tiens, prends-en un. Attends, il y a ma main. Tiens. Ah c'est des vrais. Ouais, voilà. Et elle va pouvoir interagir avec les meubles aussi. Du coup c'est une autre appréhension du monde virtuel. Alors je t'expliquais le fonctionnement. Tu pointes avec la gâchette. Ça, tu vois la gâchette qui est dessous. Quand ça va être chargé, t'appuies, ça va te tirer un trait noir et tu appuies après avec là. Et du coup, t'as vu, t'as changé la couleur du carrelage. Ah non, j'ai pas vu. Ben regarde le carrelage, comment il est. Il est la même couleur que le cube. Voilà, avant c'était du parquet. Ah, voilà, tu vois le petit cube qui est là. Tape sur le petit cube, voilà. Ah, super, ok. Et du coup, tu vois, sur le canapé, t'as la même chose là-bas. D'accord. Et sur le pouf qui est à ta droite, t'as deux petits cubes qui changent le mur du fond de la cuisine. Ben là, je touche un truc. Ouais, alors en fait, déplace-toi avec la téléportation plutôt qu'en marchant. Comme ça? Ouais, voilà. Appuie sur le gros bouton qui est au milieu. Voilà, clique dessus. Voilà. Ça, t'es peut-être sur le canapé.